Bonjour, donc moi je m'appelle Gilles Martinez, je travaille pour un cabinet de conseil dans le développement de projets de la filière forêt-bois qui s'appelle Avivé, et puis je travaille là concrètement sur un projet de scierie implanté en lien avec la centrale de Provence. Nous, nous considérons que la centrale de Provence est une vraie opportunité pour le développement de la filière forêt-bois régionale. Pourquoi ? Ben déjà, vous devez le savoir, mais il n'y a à peu près que le quart de la production annuelle des forêts régionales qui est récoltée. Ce qui veut dire qu'il y a les trois quarts qui restent en forêt. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que les forêts, elles se densifient, donc il y a de plus en plus de risques incendies, des problèmes de dépérissement liés au changement climatique, et les forêts ont besoin d'être gérées. C'est-à-dire gérer, ça veut dire couper du bois, récolter ce bois. Concrètement, si le bois n'est pas récolté, ben, il y a des problèmes de dépérissement, et puis en fait, c'est tout bête, sinon il y a un problème de gaspillage d'une ressource qui est une ressource durable, naturelle, et qu'on estime grosso modo à peu près à 20% la qualité sillage dans la récolte forestière régionale, et que si on va chercher ces 20%, ben, ça suppose qu'il y a 80% d'autres qualités. Et ces autres qualités, qu'est-ce que c'est ? Ben, finalement, c'est du bois énergie. Et on comprend bien, dit comme ça, que quand on coupe un arbre, finalement, on a besoin de valoriser l'ensemble de la ressource, l'ensemble de l'arbre qu'on a exploité, et du coup, il y a bien ce lien entre le scieur et l'énergéticien qui consomme le bois énergie. Donc on est vraiment, nous, dans l'attente du développement d'une usine, d'une centrale comme celle de Gardanne bois énergie, parce que c'est en fait une forte incitation pour justement développer l'activité de la scierie. Oui, alors la scierie est portée, le projet, par une vieille famille de scieurs, j'allais dire, du territoire métropolitain, puisque c'était la scierie Hébébois qui était basée à Aubagne, que tous les gens, en tout cas du coin, connaissent, parce que c'était vraiment une scierie de service qu'on allait voir très facilement. Et puis là, aujourd'hui, justement, à la faveur du développement de la centrale de Provence et du marché de la biomasse, du bois énergie, la famille estime qu'il y a une opportunité à saisir pour relancer une activité de scierie. Donc en fait, les marchés, si vous voulez, ce que je vous disais, c'est que le bois, finalement, soyons réalistes, et le bois méditerranéen est quand même d'une faible qualité relative en termes de sillage. Donc en fait, on cible, nous, prioritairement, le marché de ce qu'on appelle l'emballage. Après, l'idée, comme je vous disais, le projet est porté par une famille de scieurs traditionnels. Ça veut dire que l'idée, c'est aussi de faire une scierie de service, donc une scierie de proximité, ancrée dans un territoire qui puisse répondre donc, aux besoins de la clientèle, que ce soit faire une poutre pour de la construction, une charpente, mais ça peut aussi être, par exemple, faire des planches pour du mobilier. Et justement, là, c'est assez concret, puisqu'on est en discussion avec les métropoles d'Aix-Marseille pour voir dans quelle mesure cette scierie pourrait approvisionner des collectivités pour tout ce qui est mobilier urbain. Alors, c'est quoi le mobilier urbain ? Ben, c'est un exemple, c'est par exemple tout ce qui est abribus, des protections pour les poubelles, la signalétique, les glissières, etc. Donc développer l'usage du bois, c'est contribuer aussi à l'atténuation des changements climatiques. Oui, alors effectivement, on peut imaginer qu'entre un industriel énergéticien et un scieur, les rapports ne sont pas évidents, mais en fait, quand on y réfléchit, en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que quand on scie, par exemple, on produit 1 m³ de planche, on produit de fait 1 m³ de déchets bois. C'est-à-dire le déchet bois, c'est les chutes, les copeaux, etc. Et que ces déchets, bah, finalement, c'est une perte pour le scieur, une perte d'activité. Et tout l'intérêt, c'est d'arriver à le valoriser en combustible pour la chaudière. Donc en fait, en interne, c'est ce qu'on appelle un schéma d'économie circulaire, donc en circuit très court, puisque la scierie serait vraiment en proximité de la centrale. Après, les synergies, les relations entre les deux unités, elles sont importantes. Bon, concrètement, on pense évidemment à utiliser une partie de la chaleur qui est aujourd'hui mal valorisée par la centrale, qui pourrait être utilisée par la scierie, dans des séchoirs en particulier. La scierie a besoin, elle, de chaleur pour notamment protéger les bois dans des cas de traitement contre les parasites. Donc en fait, il y a beaucoup de synergies à développer. Comme on a tendance à dire, finalement, la relation entre la scierie et la centrale, c'est un peu 2 + 2 = 5.